Donc là, on arrive devant sa porte, tu vois, devant chez lui. Une belle porte cochère, tu vois, ambiance 16e et compagnie. Et là, il me regarde. Et tout à coup, il avait ce regard, là, tu sais, féroce, envoûtant. Enfin bref, il était excité, quoi. Et... Chut, les enfants. Excuse-moi, excuse-moi. Bon, là, là, je me tourne vers lui, tu vois, pour lui dire, je suis OK. Ouais. Il tape le digicode. Il m'attrape par la hanche. Il me tire à l'intérieur. Et là, Non. Oh, la chanceuse. Ben ça, tu vois, ça, c'est un de mes fantasmes. Quoi, tu fais pas ça avec Michel? Ben non. Oh non, tu me charries. Ben non. Oh, remarque, c'est pas son genre, Michel. Ah non, mais détrompe-toi. Non, parce qu'il a pas l'air comme ça, Michel, mais il est imprévisible, barbare. Hein, tu vois, sous ses airs de gentil, c'est un animal, une bête. Ah bon? Ouais, ouais, tu vois, de temps en temps, même, sans prévenir, comme ça, il a cette lueur féroce dans le regard. Et puis, il a ses mains moites et sa bouche qui tremble un peu, comme ça. Et puis, il s'avance vers moi en me déshabillant du regard. Et là, là, je sens toute cette envie, tu vois. Salut, fille! Oh, dis donc, ça me file une de ces patates, le VTT, moi. Eh, ma chérie, cadeau. J'ai acheté des gambasses pour ce soir. Elles étaient en promo. Allez, je vais me doucher, moi. C'est bon, les gambasses. Imprévisible, je te dis. Tu sais, Jenna, j'ai pas mal réfléchi. Et je voulais te dire, voilà, pour te montrer que j'ai l'esprit ouvert, je voulais te dire que j'étais prêt à réaliser n'importe lequel de tes fantasmes. T'es sérieux? Tu veux vraiment réaliser un de mes fantasmes? Parce qu'il faudrait qu'on soit ensemble déjà pour ça, non? Ouais, ouais, carrément. Mais tu sais, moi, je suis pas comme tous les autres mecs, hein. Moi, j'ai l'esprit ouvert. Open mind, tu vois? Open mind. Ok, ok, pourquoi pas? Non. Tu déconnes, là, t'es pas sérieuse? Bah, si, ok. En plus, il y a un truc que j'ai envie de faire avec toi depuis longtemps, mais tu me jures que tu te moques pas. Non, promis, j'aurais craché sur la tête de Slim. Ok, alors donne-moi tes mains. Waouh, elles sont chaudes. Bon, alors maintenant, t'ouvres légèrement ta bouche. Tu fermes tes yeux. Dis-moi un truc, cochon. J'ai envie de te bouffer, nichon. Merci, attends, c'était trop bon. On refait ça quand tu veux. On s'y remet, hein? Les plaques tectoniques. Ah ouais. Plaques tectoniques, quoi. Mais c'est bon, hein? Ouais, ouais, c'est bon, vas-y, rentre. Non, mais grouille-toi, mon gars, t'as mis le temps, là. Ok, j'ai tout enregistré. Ok, alors c'est parti. Paramètres, bim. Paramètres du téléphone. Non, non, tu vas dans Sunrate plutôt, parce que tu vas dans paramètres, tu paramétrises. Tu veux le faire? Bon, alors, je continue. Sonnerie, bim. Modifier la sonnerie. Ça, c'est bon. Augmenter le volume. Ok, vas-y, appelle. Ah, c'est énorme, mon gars. Chambé, mon gars. Ouais. Les mecs, j'ai oublié mon téléphone, vous l'auriez pas vu? Ah si, si, tiens, il était là. Cool, merci. J'y vais, j'ai cours de clarinette, hein. À demain. Salut, mec. À ton avis, combien de temps? Bah, le temps qu'ils prennent le bus, tu vois, qu'ils s'installent, le temps de laisser le cours un peu commencer, on l'appelle dans une demi-heure et c'est parfait. 9e symphonie de Beethoven.